carte bancaire. Non. Ah si. Bon ben vous faites. J'aurais été Christiane, il aurait pas osé. Dis où est-ce qu'elle est partie en vacances, Christiane? Je sais pas. Vous avez pas dit qu'elle devait aller avec son mari chez ses beaux-parents? Tiens, cherche une carte d'aide, parce qu'elle arrive bientôt. La compte, nous, c'est moche. Oui. Quand elle reviendra, je partirai. J'espère qu'il fera plus bon en septembre. Tu pars comme l'année dernière? Tout ça. Non. Je pars avec ma copine Carrie, mais je pars pas où. J'ai rendez-vous avec elle à 10h30 pour ici. Noël, vous avez vu le dossier du monde? Non. C'est plus joli. Non. Je sais pas si c'est dans les fêtes. On va le ranger, hein. Oui. Je peux me mettre à la salle à la suite, je m'avais dit tout à l'heure. Je n'avais pas terminé. Comment ça, je n'ai pas terminé? Vous ne m'avez pas indiqué la fin. Mais si, c'est ça, veuillez agréer, etc. On aurait dû ranger? Mais si, je l'ai vu par ici il y a deux jours. Pas ça? Non, ça, oui. Vous me cachez ça, je reviens dessus. Joël, vous venez de voir à mon bureau, j'ai quelque chose à vous dire. Tiens, on va manger ensemble à midi, hein. Non, je ne déjeune pas. Ah bon? Tu sais, c'est mauvais pour la santé de ne pas manger à midi. Non, de toute façon, je ne mange pas, puis de toute façon, j'ai rendez-vous avec toi. Bon, bah. Oh, Karine! Mais dis donc! Tu m'avais dit que tu m'attendais en bas dans le café. En fait, je suis présente Gilbert. Bonjour. Si, j'ai quelque chose à te faire voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon, vous voulez prendre la main. Dis donc, t'as vu? Oh là là, qu'est-ce que t'es photogénique, dis donc. Elle est bien, ma copine. Je voudrais bien vous avoir dans mon service, vous savez. Vous savez taper à la machine? Non, mais c'est pas des gens. Dis, tu viens avec moi, j'ai une course à faire, il faut que j'aille m'acheter un maillot de bain. Tu viens avec moi? Ouais, d'accord. Et tu reprends à quelle heure? À 2h30. Alors là, je pense que vous n'aurez pas le temps, parce que pour choisir et tout... Ah bah oui, c'est en plus, ça sera pour eux. J'ai oublié. Quoi? J'ai un lettre de Caroline, c'est ma cousine. Alors c'est d'accord, on part au mois de septembre, c'est d'accord. Sa mère nous laisse la villa. On est tout seul, alors? Ouais, une grande villa. Surtout que j'ai vachement envie d'y aller, je pense, c'est... La dernière fois que je suis allée, j'avais 5 ans. C'est fantastique, tu vas voir. Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a des grandes plages, des trucs merveilleux, des vagues et tout. Il y a un type qui s'appelle Mimile, enfin qui s'appelait Mimile, je sais pas s'il est toujours. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? En fait, c'est tout, donc c'est toujours sûr, si tu veux venir. Mais tu vas voir, c'est vraiment extra, la côte atlantique. Mais alors, justement, on avait peut-être prévu avec les gens de service d'aller au club méditerranéen en Sicile. Bon, ben c'est d'accord, hein. Je pars avec toi. C'est le climat là-bas, il est pas mal. Mais peut-être pas très chaud, hein. Il y a le dollar système et tout. Pas peut-être toi, d'accord, mais enfin, si ça répond tout seul. Non, ça se trouve du côté des Landes ou de Bretagne ou pas? Non, c'est à Saint-Gilles-Croix. À Saint-Gilles-Croix-de-Ville? Non. Bah, du côté des Sables-d'Olonne? Non. Bah. Non, pas tout à fait. Enfin, pas loin. Bon, bah, alors c'est d'accord, on part au début septembre. De la maison, les vins puissent bon. Puis de toute façon, traverser par le pays, on va passer par un raccourci là par la ville. Je sais pas s'il y a encore le passer. Oh là là! Elles sont pas bonnes comme ça. Non, on peut pas les manger maintenant. Si. Vous les mangez comme ça, tout cru? C'est pas vrai. Faut les faire cuire. Je vais manger devant une
même ça. Bon, à propos, qu'est-ce qu'on fait ce soir à dîner ?
Quelle heure il est? J'ai la flemme d'aller faire les courses en moment, je pense que c'est pas ça. Si, et ça? Ça, c'est de bain, hein? Disons, il n'y a pas de douche? Ni baignoire, ni dîner? Non, la baignoire, c'est pas de baignoire. Mais j'ai dormi un peu fermé. D'ailleurs, j'étais tellement fatiguée hier à porter toutes ces valises. C'est bête, il n'y a pas d'œufs, j'aurais bien mangé des œufs ce matin. Pas fermé, c'est où on peut en trouver? Si, des plats dans la campagne. Ah, mais oui, je me souviens, il y en avait une, on allait souvent chercher des œufs, du lait, tout ça. Où elle se trouve déjà? Du côté d'Orouette. De quoi? Orouette. Orouette. Ouais! Orouette! Oh, Orouette! Ouais, Orouette! Orouette! D'ailleurs, tu sais comment elle s'appelle? La ferme de Rouette à Orouette. Ah, oui, je me souviens. La ferme de. Des grouettes, t'as Orouette? Pas les grouillettes comme gruyère, les grouettes. En tout cas, moi je vais faire une cure de poisson. C'est bon pour mon régime. Tous les jours tu dis que tu vas faire un régime et tous les jours tu bouges comme ça. Aujourd'hui j'ai décidé. Non mais de toute manière, depuis le temps que je la connais, elle dit tous les jours qu'elle va faire un régime et tous les jours elle mange des tartines de pain grillé, du pain avec du beurre, du chocolat. J'ai acheté à Paris un bouquin formidable. Tu veux que je J'espère que c'est ça, hein. Fais voir ce titre-là. Permis de maigrir. Société polynésienne d'édition à Papette. Société polynésienne d'édition à Ouach. Non, à Papette. Il n'y a pas 36 façons de maigrir, il n'y en a que. Ah, le régime, mais pas n'importe quel régime. Dans ce bouquin, il y a un système de casse qui est vraiment très bien fait. Regarde. Tu vois, t'as celui-là et celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Colin 120? Cola 120 grammes, c'est une case qui vaut, tu vois, 100 calories. Toi, t'as 10 cases,
10 cases, t'as le droit qu'à 10 cases par jour. Et tu perds combien? Et ça fait 1000 calories en tout, tu vois. Alors là, tu vois, tu peux prendre cervelle d'agneau 80 grammes, ça fait 100 calories. Alors tu vas dans la poêle garnelée, tu vois, 160 grammes. Ça fait 100 calories. Et là, un bouillette, 33 grammes. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre beaucoup. Et tu perds combien? 2 kilos par semaine. Pas mal. Ouais. Je sais pas si c'est tellement efficace ce truc. Et puis tu te rends compte, ça fait pas beaucoup dans une journée. 10 cases? Même 10 cases. Tu te rends compte? Tu fais mieux de faire un peu d'exercice. D'ailleurs, moi j'ai bien envie d'aller me baigner. Ah, pas question, il fait trop froid, moi j'ai pas bien nager, j'ai pas envie de me noyer. Moi je te propose une chose, c'est faire des abdominaux tous les matins. Oh non. Non, mais là-bas, c'est vachement ça, il y a des forêts de pain. Tiens, si tu veux, on fait une grande balade demain dans la forêt, tu veux? Ah oui, d'accord, tu me réveilles alors. Tu viendras? Si vous y allez demain après-midi, d'accord, mais si vous y allez demain matin, pas question. Oh. Si c'est pour y aller à 8h, j'ai pas envie de me lever à 6h pour aller faire une balade dans une forêt. Tu fais ce qu'il y a de très bien pour les chevilles? La pêche à la crevette. Ah ouais? Pourquoi ça? Parce que ça fait marcher dans l'eau, dans les vagues, ça fait un massage. Ça fait une chevilles? Mmh. Alors je vais faire ça. Et tu as défilé? Mais tu as pas vu là, dans la chambre? Ah oui, c'est grand truc. Ben moi je trouve bien courageux. On ira à Marie Basse. Et alors qu'est-ce que vous faites si vous attrapez les crevettes? On les mange avec du citron. On les mange. Ah mais du pepper. Donc ça sent les crevettes, ça fait 100 calories pour 100 grammes. Et le pepper, ça fait combien? Ah ben je prendrai pas de pain et de beurre. D'accord, vous allez les chercher, moi je les mange. Ah non, moi j'aime ça. Ah! Carter. Tu vois? Oh, on dirait moi avec mes coups de soleil.
Je vais voir si tu m'as. On fait des parties de pêche fantastiques. Ah oui, tu parles pas trop vite. Avec une copine et ma cousine qui nous aime des orages. Ah oui, c'est quelque chose. Elle nous oblige à faire de l'exercice. Aussi, la forme super. Donc, on s'amuse comme des folles. Oui, je crois. Enfin, on s'ennuie pas trop. Thank you.
une surprise, c'est une surprise. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu acheter des poissons. Non mais là, Zavi. Je suis de passage, juste aujourd'hui. Vacances. On va pas rester comme ça. À peu près. Je vous offre une tournée de cidre. Oui, d'accord, on va. Bonne des crêpes. Mais ma grand-mère à Saint-Paul-de-Léon, elle a réussi, non? De quoi? Meilleur, ça. C'est un... À Saint-Paul-de-Léon. De quoi? Saint-Paul-de-Léon. Saint-Paul-de-Léon. Tiens, il y a trois jours encore que j'étais. Quoi? Vous avez mis trois jours pour venir de Bretagne? Vous êtes à côté? Mais non, mais je suis ici depuis quelques jours déjà. Je suis dans un camping. Assez loin ici d'ailleurs. C'est pour ça que je n'arrivais pas à vous trouver. Tiens, mais c'est parce que vous nous aviez vu sur le port tout à l'heure. Vous aviez dit que vous étiez là tout à fait comme ça par hasard. Hein? Vous avez un peu? J'ai vu dans la région, il y avait un casino. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ça vous tente pas? Un casino dans la région? Hmm? Je vous ai entendu parler. Ah si, Pas celle de l'Aude? Non, non, non. Elle s'appelle de Léon? Non, c'est trop loin. Non, 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 Oh, c'est bon,
Et des tartes aux fraises. Des énormes choux à la crème. De la crème. Du gâteau à la frangipane. Tu vois ce que c'est de la crème aux amandes. Tais-toi. D'énormes bouchées au chocolat. On va y aller. Joël, tu es tout près de la porte? Allez, Joël, regarde-la. Vas-y. De la porte. Je t'assure que si mon lit avait des roulettes, j'irais, mais là, je peux pas. Et puis, c'est tellement froid. Vas-y, du chocolat. Vas-y. Je crois que je vais y aller. Moi aussi. Du chocolat, Joël. Oh, répète-moi ça. Du chocolat. Du chocolat. J'y vais.
froid dehors. Tu veux du thé? Ah ben, s'il en reste un peu, c'est pas trop fait. Ben, pas beaucoup. Non, c'est un petit peu. Tiens, prends une tasse là. Mais non, ma vie! Excusez-moi. Fait bon chez vous, hein? Ah, dis donc. Dis donc, t'as l'air un peu froid. C'est pas dehors, sous la porte, ça. Tu veux un gâteau? Oui, il y en a des comme ça aussi. Hein? Il y en a des comme ça. Il y a des gâteaux à finir, là. Vous avez entendu la tempête? Ouais. Ça souffle, hein? Qu'est-ce que vous faites? On cherche la bataille. Tu connais un autre jeu parce qu'on en a marre, ça fait une heure. Bah oui. Vous savez jouer au Miss Gris? Non. Bah, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir 4 cartes, 4-5 par exemple. 5 de carreau, 5 de table, 5 de pique, 5 de cœur. Puis dès qu'on les a, on les abat. Hein, enfin, c'est le premier qui a ça, qui a pas de cartes. Et s'il les abat et si les autres n'ont pas battu en même temps, enfin, assez vite, bah, eux ils sont perdus. Ouais. Bah oui, voilà, tu as pas les cartes. Dis donc, vous partez dans la fenêtre? Ah non, non, dans un camping. À propos de camping. À propos de camping. Merci. Ben, le camping est très propre, je pense. Avec la tempête. C'est là-bas, elle a du mal à tenir. Incroyable. Ben oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'aime pas. Vas-y. Je sais pas, je me demande si je peux rester là-bas parce que la tente, elle a du mal à tenir. Ben oui, mais tu vas aller. Pourquoi tu les distribues quand tes cartes? Ah, ça, oui, ça va être battu. Là. Tu coupes? Combien, à quoi on joue? Ah oui, à la piscine. Il doit être un endroit là où je pourrais planter ma tente. Un endroit? Il ne doit pas être une chambre? Pardon. Des chambres, on a juste trois. Ou alors il n'y a pas une petite pièce, n'importe, pas forcément une chambre. Hein. Non, mais tu sais, on ne peut pas coucher chez nous. Hein. Ah oui, on est trois filles ici, maman ne voudrait jamais qu'on ait un garçon. On pourrait éventuellement te mettre dans un coin. Tu penses te mettre dans le jardin? Ah oui, il y a le jardin. Ah, ça peut être... Enfin, évidemment, je ne veux pas vous déranger, moi. Non, mais si on peut te dépanner, on n'en a pas mieux. Seulement, nous, on peut que te proposer le jardin, tu vois. Mmh. Oui, c'est vraiment possible que tu aies dans le sens. Il est par où, le jardin? Il est du côté de la mer. D'abord? Oui, par là. Oui, il est abrité un peu du oui, vent, non? Il y a des murs sur les côtés. Et moi, j'ai des petites sardines, enfin. Des petites sardines quoi? Des petites sardines. Des petites sardines. Oui, c'est des machines que t'enfonces dans le sable pour tenir la tente. Ah bon? Oui, c'est un bon fil de fer. Ah oui, je sais ce que c'est, mais je savais pas. Il y en a des spéciales pour. Pour machine à laver. Bon, ben. Je cherche mon matériel, il est en bas. Tu peux aller là, peut-être. C'est du rapide chez toi. Ah bon, bah non, mais c'est... Non, on disait ça pour rire. Non, tu peux aller le chercher. Bon, ben... J'y vais là. Ah oui, reste. Je t'en prie. Merci. De rien, c'est gratuit. Ça sera 1000 francs par jour. En blague, c'est vrai? Non, c'est très bien que tu les as pas. Pas même pas, hein. Ah, ça y est maintenant, juste ce que je voulais éviter, je vais l'avoir tout le temps sur le dos maintenant. Non, on va se marrer. Ça, je suis sûre qu'on va se marrer avec lui alors.
faut la monter, attends, écoute, la peintre, prends la peintre. Qui monte dans cette vide? Thank you.
si vous me faisiez des œufs au lait, si vous me faisiez un flan, vous avez certainement envie d'aller à Orouette, hein? Pas au casino, chez le fermier. Vous en voulez un peu? Non, non, ça va être pas mieux. Allez, pourquoi pas, madame? Attendez. Un petit peu quand même. Bah, juste, c'est très bon. Pour qu'il est vite dans la caisse, là. On va vous l'éviter dans la caisse. Attendez, attendez. Non. Vous allez prendre ce que vous voudrez. Carrie, la prochaine, plus alors. Mais non! Il faut pas vous le faire! Non! Allez, vous en voulez un peu? Attendez, un petit peu! Un petit peu! Attendez, hein, c'est très bon! Vous pouvez tenir pourtant! Ok! La cuisine, ça y est! Quel odeur! Oh, quelle horreur, c'est bestial! Tiens, voilà, mademoiselle! Vous en aviez une comme ça dans votre histoire. Hein? Qu'est-ce que vous feriez? Vous allez pas me coucher? Ah bon? Venez, 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 on s'en va vite! C'est là. Attends, regarde. Attendez. Non, mais vous êtes complètement dingue, non? Ouais. Alors, allons. Vous êtes bien gentil, monsieur. Alors, allez, vous êtes. Je suis comme ça. Oui, ça va. Vite! Oh, on n'est pas beaucoup. Attends, regarde. Ça me suffira. Vite! Ça suffit! Venez, on s'en va vite! Ça suffit, moi aussi. Oui. Oui. Attends, on a un steak pour toi.
Je ne sais pas où il va prendre. Il y a des heures aussi. Ah non, non, pourquoi il ne peut pas. Si on veut regarder ce petit camion, je me laisse un petit peu. Mais non. Mais il y a du poisson aussi, hein. Du poisson, quel poisson? Non, pas de poisson. Hein? Oui, il y a du poisson. Il y a donc une bassine qui est dans la salle de bain. Elle est pourquoi dans la salle de bain? Oui, dis donc, mais je peux vous les cueillir, poisson. Ah oui, non, mais c'est ça, oui, c'est là-haut. Hein? D'accord. Ça me dégoûte pas, mais... Qu'est-ce que tu fous? Là, je vais les écailler. Quoi? Les poissons.
Calme. T'as des cigarettes? Ouais. Oh, je suis mort. Où est-ce qu'il a fait? Bon. Oh merde, bah. Bah écoute, il y a un soleil magnifique aujourd'hui. Bah, on va se promener sur le passage du bois, alors avec la petite voiture passée, c'est peut-être une... D'accord, on ira. Tu es bien gentil, mais est-ce que tu as un peu de sentiment pour nous? Bah voyons, je fais que ça, tu vois pas? Regarde cette hypocrite. Ah sa petite cicatrice. Bah écoute, bon. Et son petit bouton. Son petit bouton. C'est un bouton d'origine, hein. Tu le mets tranquille, il est... Oui, mais je vois, c'est pas moi. Son petit bouton. Petit Gilbert. Tu fais mal! Oui, mais aussi! Une petite bise! Sur la plage et enfin, de toute façon c'est pas le temps pour sortir un bateau. Bon bah je vais dégrayer, hein. Il est à vous ce bateau? Ouais, il est à moi. Va petit mousse, le vent te pousse, le scooter porte les flots, les flots. Là-haut, à quoi ça sert ces trucs-là? Les blancs, les blancs.
comprendre. Ça se voit pas, non. Aïe. Déjà fait du voilier? Non. Envie d'en faire? Non. Ah quoi, il fait froid? Non. Non. Puis d'abord, monsieur, vous connaissez pas. On monte pas dans un voilier avec n'importe qui. Puis vous pourriez nous emmener dans un petit coin, hein. Vieux sadique, sur une île désert. Puis dans une île, il y a des bois. Alors je peux rien faire ici. Non. Oh, rigolait. On plaisantait. Alors vous voulez bien en faire? Oui. Demain? Oui, d'accord. Alors demain, 15h, à côté des tacades. Oui, d'accord. 15h. Oui. 15h précise, hein. D'accord. GMT. Oui, ça veut dire GMT. Comment? Je t'aime. C'est ça. Demain, 15h. D'accord. Okay. Oui. Ouais. Au revoir. Au revoir. Et voici madame la Caroline de l'arcade à dans son répertoire. Peut-être qu'une reine te donnera sa main. Peut-être une baleine. Bien, disons, moi j'ai ça à faire, alors on pourrait y aller ensemble. Mais tu vas inviter. Vous invitez nous. Et alors? Tu fais une demoiselle, non? Ça n'empêche rien, ça, dis donc. Ça va. On va ça alors. Salut. Ça va? Bah, vous êtes venu en force, c'est bien. On le descend jusqu'au bord. Hein? Lourd? Non, c'est pas lourd, mais enfin, faut le porter, faut l'alléger un peu. Hein? Vous aider? Oui. On se met là? Je te regarde mettre là chacune une roue, puis toi là. Ah, parfait. Ça va? On y va? Ouais. Alors, marche. On va peut-être pas pouvoir en faire tous les quatre parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ah bon? La mer est très très calme, alors pour les virements de bord, on risque de se gêner si on y va à quatre. Puis ça risque d'être un peu lourd, alors il faudrait mieux y aller à trois. Ah, ça fait rien, moi j'y arrive pas. Vous avez qu'à y aller toutes les deux. Ça te dérange pas? J'allais pas comme tu toi le premier jour. Ah bien. Non, et puis j'ai un bouquet à finir, je vais prendre un bain de soleil en restant sur la plage. Et vous, faut pas vous tutoyer non plus? J'apprécie pas du tout. Moi non plus. Et toi, Joël? Bon, ça dépend qui. Oh, yeah.
Ah, j'en peux plus, tiens. Bon, je vais prendre mon médecin avec toi. Si tu veux, je peux aller avec toi. Non, je monte là, on va. Et tu crois que ça va pour longtemps avec Joël, là? J'en fais rien, c'est une heure. Thank you.
faut bien attention avant d'arriver. On va avoir des boulons à passer, alors restez bien chacune de votre côté. Gardez bien l'équilibre, hein. Et vous faites tout ce que je vous dis. Qu'est-ce que je dis, Anna? Je tire pas? Non, laisse, c'est Joël. C'est beau, dis donc, j'ai de rêve. Regardez mes gilets. Vous voulez aller faire un café? On a un chocolat chaud! Oh, mais là, je suis trop vite. Je vais faire un café. Ah. J'ai lieu de danser sur place, comme ça on est dans une boîte que je connais qui est encore ouverte. Hein? Pour faire des points. Pour faire des points. Ouais, d'accord. Tu seras du point? Oui, à quelle heure? 9h30. Bon, d'accord, salut! Au revoir! Michel est vachement sympa, mais tu peux être sûr qu'elle ne prend pas une occasion de le dire à ta mère. Après, je sais pas, tu viens t'étonner que tu te fais engueuler. Surtout avec une mère qui est comme la tienne, t'es la chole sur le principe. Justement. C'est bon? Non, mais je lui raconte tout ce qu'on fait comme ça. Je lui parle aussi bien de la promenade à cheval qu'on va faire avec Patrick et Gilbert, puisqu'il a décidé de venir avec nous cette fois. C'est pas ce qu'il m'a dit? Non. Non? Il m'a dit qu'il avait un oncle qui venait à Rennes en Camargue. Hop là! Tiens. Tu montes? Allez, attends, bon. Tiens, monte par ici, ce sera plus facile. Vas-y. Il faut que je m'étale. Je t'apprends, prends les mains là. Prends les mains là. Je te dépasserai, Allez hop! Et voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qu'il manque, ce qu'il nous a indiqué surtout, c'est de. Je vais les prendre bien là. Je crois que surtout, ce qu'il a indiqué, c'est de. Oh, il y a que je suis calme. Regarde, il est gentil, là. Mais là, il s'énerve pas. Passe en dessous. Voilà. Voilà. Reste tranquille. Relève la tête. Voilà. C'est bon. Voilà. Et voilà, vous aimez? Alors, allons-y. Profitez-en. Non. Ah, chut. T'as froid? On y va? Allez, à la là. Allez. Laisse-moi tes rênes, mon coco. Ah, il faudrait me passer les rênes. Tu peux pas te dépasser. J'arrive. Attends, tu me le décroches alors. Non, mais là, c'est ça. Ah oui, là, le truc.
Allez, c'est ça. Allez. Ah bon? Oh, oh. Il va plus en rester pour personne après. Écoute, je les mange pas, je les ouvre. Et qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais là, je mange juste le toit, il n'y a presque rien à manger. Là. Non, je le laisse. Tiens, voilà. Où est-ce qu'on va le mettre? Peut-être à côté de Karine. Bah oui, tiens, passe ici. Non, non, avec votre mère, ça s'escaladera. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais mettre des escaleurs comme les danseuses. C'est ça, demain matin, j'irai en chercher au marché. Mais dites-moi, vous avez acheté des huîtres? Non, il y a autre chose après. Oh, vous savez bien que j'aime bien les huîtres. Mais écoute, on a fait ça parce que c'est ça, c'est un genre de fête. Bon, écoute, là, c'est sinon, allez, sur nous, là, les huîtres. Tiens, je te sers, Patrick. Et du calme avec un peu blanc, hein. Parce que t'es déjà bien rouge. Comment connaissez ça, on les honore? C'est pas qui a mis la table. Oui, mais si tu avais mis un huître plus vite, t'en aurais eu un plus grand. Max, tu peux pas en avoir un plus grand tout de suite? Non, allez, va à ta place. Bon, on boira plus souvent. Et il y en a assez pour en avoir plus.
Elle est pas mauvaise cette là. Un petit bois comme du petit lait, hein. Ah ouais. Aïe. Tu t'es fait mal? Non mais. Si, si, écoute, arrête un peu. Non, je vais te montrer comment on va faire, tu vois. Non, je vais y arriver toute seule. Mais si, 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 regarde. T'as deux trucs dans lui. T'as au-dessus et la grosse partie en dessous. Ce qu'il faut, c'est chercher une faille pour permettre à créer une poche d'air dans l'huître. Parce que tant qu'il n'y a pas de poche d'air, hein, l'huître se défend et elle fait adhérence. Mais dès qu'il m'a fait une poche d'air, elle ne peut plus se défendre. Bah, regarde, je cherche là. Et alors, je remue latéralement pour gratter en dessous et ne pas laisser la moindre. Et on voit tout de suite des bulles d'air qui apparaissent, tu vois. Et alors là, on remue le couteau comme ça. Non, il n'y a pas de danger, venez, on va aller chez les sauvetages. Oui. Mais ça risque pas de se retourner. Non, pas du tout. Non, on va faire quoi? Hein? Parce que ça prendrait 2 heures demain. Oui. Ok. Et après on gratte tout le long, hein, pour éviter que le truc attaché au-dessus. Et à la main, on termine, voilà, sans difficulté. Hein. Ça va pas mal, hein, il y a un petit peu d'écueil, on va pas dire, on va... La prochaine, elle sera mieux. Il faut garder l'huître horizontale, parce que comme ça, on n'en fout pas partout. Donc c'est vrai, parce que le jus, sinon, on le perd. C'est meilleur. Oui. T'as pas faim? Si, si. Tu manges pas? Si, si. Tu veux que je t'en ouvre une autre? Non. J'aimerais bien faire du cheval, demain. Je sais pas du tout ce qu'on va dire. Tu le ressens peut-être pas aujourd'hui, mais tu vas voir demain. C'est pas des dérange pas qu'on les ressente dans le monde, surtout. Tout le monde en a, mais j'en ai pas. Moi, je crois que Patrick a raison. C'est demain, le cheval, ça me paraît un peu risqué. Surtout toi. Moi qui ai un morceau de toilette. Non, non, moi de toute façon, moi tu les voyais. Karine s'est bien débrouillée aujourd'hui, cheval. C'est normal, t'es les pères. Ça se passe tout seul. On pourrait peut-être aller à la pêche tous les trois pendant qu'ils vont au bateau. Je connais quelqu'un qui nous emmènerait sur son bateau. Ou avec... À la pêche juste... avec, oui. Avec un bateau. Bah tiens, avec quoi veux-tu? Et on vient... Non, non, mais toute la journée. Mais ça va bien, Joël. Bon, moi bien, qu'est-ce que t'en penses, Joël? Peut-être, on verra. Ah, intéressant, ça, tu sais. Je serai avec lui pendant tout le temps, hein, sur le bateau, puis on le verrait pêcher, puis on pourrait le pêcher peut-être aussi. Écoute, arrête de vouloir, parce que c'est pas vraiment mal. Oh, le beau bateau! Salut! Avec les bottes? Oui, parce que tu mets? Bah non, je ne pas, hein. Parce que tu mets. Un petit coup de main? Oui, j'arrive! Prends l'arrière. Prends l'arrière? Oui. Tu me Oui. Je crois pas au filin, les gens. Ah, regarde. Oulala, qu'est-ce qu'elle a la trouille. Ah,
vagues, et on dirait qu'elles viennent juste ici. Un peu trop bas, alors, non ? Non. Tu vas voir, il est content. On va te préparer une bonne petite recette, tu m'en diras des nouvelles, hein. Enfin, si tu peux. Bon. Lève-toi les mains, hein. Qu'est-ce que je fais en ce moment, alors? Bon. Eh ben, bon, tu peux faire après ça, ça fait du bien. Ah oui. Non, bon, c'est pour qui? Devine, hein. Ça m'étonne pas. Bah, un petit rosé, ça fait. Du rosé, non. Bah, on va voir ça, il y a autre chose. Bon. Après la bonne partie de pêche qu'on a fait, je sais que je vais vous préparer ce soir un de ces petits repas, comme vous n'en avez pas souvent eu. Je vais pas venir. Non, mais vous allez voir. De toute façon, là, je vais faire une de ces recettes de ma grand-mère. Celle de Saint-Paul de Léon ? Ah non, c'est ma couleur. C'est bien meilleur. Je te sers, hein? Ah oui? Toi aussi? Non, moi j'en prends pas. Ah? On est en vacances. On a passé une bonne journée là. Hein, ton bateau de pêche, tu te tournes bien. Oui. Et j'ai pris un beau poisson, non? Alors, on va les manger ce soir. Tu auras pas de bureau, écoute, voyons. Avec deux feux seulement. Pas possible, machin pareil. Thank you.
peut pas aller plus vite que la musique. Préparons-nous, c'est bientôt prêt, hein. C'est trop cuit. On attend pas Karine ? Elle va rentrer cette heure-ci, elle viendra pas dîner. Bon, bah alors avant que ça refroidisse, hein, je crois qu'il faut mieux y aller. Des sauces. Tiens, regarde. Écoute, Caroline. Vas-y. Hein ? Elle est bonne. Ah bah oui, mais c'est meilleur comme ça, dis donc. Tiens. Je te sers, Joël. J'arrive à la bougie, Lilo. Ça fera plus intime. C'est pas la peine, on va aller bientôt se coucher. Oh si, ça sera plus chouette. C'est pas la peine, il est trop tard. On va aller se coucher. Ah, ça y est, c'est déjà fait. Hein ? Déjà fait, c'est bougé. C'est pas beau. Évidemment, c'était un petit peu long parce qu'il y a pas mal de choses à préparer. C'est le poisson, c'est un grand poisson. Il fallait couper en tranches et tout, il y a la sauce à faire. Mais c'est une belle prise, hein? Non? C'est pas dispo, c'est un creux. Ça, toute l'après-midi sur le bateau. On y retournera, hein? Mais plus tard. Tu manges pas Si, je vais continuer, mais je me repose un peu. Ah bon. Toi, tu manges pas non plus? C'est pas bon?
c'est très bon. Ah bon, c'est la sauce, hein. Réussi. T'as pas faim ce soir? Charlie, tu dors? Non. Ça va refroidir, tu sais. Si tu veux un goût, faut t'en. Ah oh, non, merci, j'ai pas faim. C'est par contre, je voudrais dire quelque chose. Moi, je crois que je vais me coucher là. Déjà? Mais il est tard. Soir? C'est hier, alors juste moi je vais te proposer. Hein. Tiens, tu...
Non, non, je suis médecin, je vais faire le café. Je sais pas. Comment tu sais pas? Je sais pas. J'en sais rien! Merde! Je suis ici pour faire un imbécile. Vous avez tout le monde. Joël, je la connais depuis assez longtemps. Je l'aime bien. J'y tiens. Pendant ces quelques jours, j'espère que ça se passerait autrement. Il y a Patrick. Pourquoi Patrick? Ça se voit, non? Il m'intéresse. Ah bon? Je me suis pas rendu compte. Je crois que je vais partir. Mais tu es fou. Ça peut dormir pour tout le monde. Tu es complètement fou, il faut rester avec nous. Tu n'as rien à faire aussi. Si, si, je vais partir. J'en ai marre, tu comprends? J'en ai marre du tout. Mais pourquoi t'en as marre? Tu sais bien qu'on t'aime bien. Tu sais bien qu'on s'amuse bien avec toi. Mais il y a longtemps qu'il est parti? Oui, il est parti à peu près vers 6 heures. Sa voiture a été réparée, alors il est parti voir sa grand-mère à Angoulême. Tiens, d'ailleurs, il t'a laissé une lettre. Tu sais, il était dans un grand état, vous l'auriez vu. Il faisait de la peine. Excusez-moi de partir de cette façon. Je pense sincèrement que ma place n'est plus ici. En vous remerciant de votre hospitalité, en espérant que vous n'aurez pas, toutes les trois, un trop mauvais souvenir de quelqu'un qui est sans doute trop gentil avec les autres. Grosse bise. À Karine, Caroline et Joël, Gilbert. Eh bien, on débarrasse. Le pauvre, moi je l'aimais bien. Oui, on fait quoi de gentil quand même. Aussi, dis donc, c'est pas avec vous que vous laissez marier. Moi, voilà, pendant toute une année, j'irai sur le dos, toujours en petit sang. Non, elle est bien gentille. Mais qu'est-ce que t'as, Caroline? Tu pleures? Mais t'es folle, écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je sais pas comment te dire, il était gentil. Bah oui, mais on faisait pas de raison de pleurer. C'était des vacances, un peu. Puis on a été vache avec lui. Oh. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Je vais faire ça.
la salade toute pourrie, un morceau de fromage dégueulasse. Vendéa. Des bouteilles. Bon, j'en ai marre, hein. Après, la poubelle, hein. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ça, moi, tu manges des chiffres, les gros. J'irai même pas avec lui. Et puis j'ai décidé de rentrer à Paris, je fais du travail. Signe d'orage. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme hier. Pourquoi on fait comme vous faites? C'est-à-dire d'attendre toute la journée sur la plage. Tu vois? C'est une étage? Non, pas très bien. Pourquoi? Vous avez attendu sur la plage? Non. Non, mais il y avait un garçon qui fait des voiliers, qui vous avait dit qu'il venait nous rejoindre. Alors on a cru que c'était toi. D'ailleurs, il te ressemblait franchement. Mais je vous ai jamais dit de m'attendre sur la plage. Non, mais j'ai dû rêver, j'ai dû prendre mes rêves pour des réalités. Bon, j'ai envie de faire du voilier. Il fait beau aujourd'hui. Ça risque d'être marrant. On pourra sentir le spi. Qu'est-ce que c'est que le spi? Je te montrerai. Bon, super. Bon, super. On est obligé d'y aller à deux parce que si on est sale. Quoi? Pourquoi? T'es des quoi? Qu'est-ce que j'entends des salés? Moi, je ne sais plus, hein, si on est sale. J'ai dit qu'on risquait des salés, j'ai pas dit qu'on allait des salés. Bon, on va aller à mon gars. On fera plus. Allez, en voiture. En bateau. Ciao! Ils vont dessaler en cœur. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Dis, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, parce que quand on est à la plage... Oh non, j'ai pas tellement envie. Qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? Ben, j'ai envie de faire une balade. Une très longue balade en forêt.
Écrit-tu si longuement ? À mes parents. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir Didi ? On va boire un café, comme ça, ça nous évitera de faire un petit déjeuner. Bon, d'accord. Bonjour Didi, qu'est-ce que tu fais ? Je sais. Tu crois ? Oui. J'ai reçu de l'aide de ma mère, je me suis fait drôlement engueuler. Oh, laisse-la dire, ta mère. Écoute, tu vas pas partir. Tiens, ouais, je vais j'ai plus d'argent. Puis à propos de votre place. Bah écoute, je viens de te voir à la vacuité à Nantes. Mais j'ai plus d'argent, moi, quand je vais faire. Dis, t'en as pas un petit peu de côté, non? Voilà. J'espère que maman sera contente. Tiens, le revoir, je t'en vais par l'intérieur. Venir de ce passage. On était là. Finalement, tu me dis qu'il était ennuyeux, mais en tout cas, s'il n'avait pas été là, on aurait eu des vacances complètement ratées. Oui, peut-être.
Non, mais j'ai parlé, quoi. Oui, non, c'est ça, on n'est pas des loups. Oui. Les deux c'est rose, comme j'aurais fini, la porte est rouge. Et tu as une voix en anglais qui te pose des questions. Tu dois donc y répondre, tu as un silence pour y répondre. Ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire qu'elle te donne la réponse et tu poses la question. Et puis tu as la possibilité de te réécouter après, c'est-à-dire de corriger ta réponse. Mais j'ai tellement envie d'aller en Angleterre, parce que j'ai tellement envie de changer d'air. Vous vous plaisez dans votre nouvel emploi ? Bon. Je vous ai tout pensé encore. Je suis revenu il n'y a pas longtemps. Moi, ça fait 15 jours que je suis dans le j'étais noire. J'étais en Sicile. En Sicile ? C'est faux. Et vous ? J'étais en Vendée. C'est bien ? Oui, ça c'est une bonne ville. Dans une villa, chez des amis, au bord de la mer. C'est une belle chambre à aller voir la mer. Oui, vous voyez la mer, oui. C'était quoi vos amis ? C'était trois jeunes filles. Il y en a une à qui appartenait la villa. Mais vous étiez tout seul avec trois jeunes filles ? Oui, oui. Oui. Oui, ça s'amusait. Vous prenez quelque chose ? J'ai pas faim. Je prends. Un melon glacé et du sucre provençal. Et vous ? Ah non, moi, pas de poisson. Moi. Melon et steak grillé. Pas trois quarts d'heure, ça va ? J'ai encore 11 mois enfermé. Pas très vite ? Enfin, on n'y est pas encore. Vous retournez en Vendée l'été prochain ? Non, non. J'irai peut-être en Italie. C'est bon. Je retournerai bien aussi.